Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est lundi, le lundi c'est unboxing avec la boutique New Craft Day. Exceptionnellement, on est dans mon atelier qui dans lequel je ne fais plus rien. parce que Chouchou a terminé un DP, là il vient de terminer un DP. Et il me dit, t'as fait la vidéo de ton unboxing? Je n'ai pas encore eu le temps. Et puis, bah oui, mais parce que je voudrais le faire. Donc, du coup, comme je ne fais pas les vidéos devant Chouchou, je suis trop timide devant lui. Non, mais j'aime pas. J'ai dit, bon, je vais te la faire tout de suite. Voilà. Ah, les hommes, je vous jure. il va trop vite pour les DP. Alors, au jour d'aujourd'hui... Donc, je vous ai fait une présentation au mois d'août de tous ces DP qu'il avait fait. Et donc, depuis le mois d'août, il en est... Alors, en comptant même des petits, hein, parce qu'il a fait aussi un lot de cartes postales, tout ça. Donc, en comptant carte postale par carte postale, aimant par aimant, il en est à 42. Il a fait 42 DP et DIY DP depuis le mois d'août. On est en novembre. Eh oui, que voulez-vous? DIY, Diamond Painting, complètement d'actualité. Je vous montre ça. Alors, il y en a peut-être qui vont pas aimer, hein, mais ça, c'est pas... Hein? Chacun ses goûts. Alors, c'est un DIY que l'on va poser sur un meuble, sur une table, voilà. Et moi, celui-là sera posé à côté de mon sapin, voilà. Donc, c'est une crèche. Avec, il y a tout le monde, hein. Bon, il y a il y a Jésus, Marie, bon, d'autres personnages, le petit, il y a Joseph, bien sûr, le petit agneau, voilà, il y a plein de choses, mais il est très très beau. Alors, on a une pellicule, hop, ici, qu'il faudra retirer. Pour pouvoir coller. Voilà, là ça colle. Derrière, bon là je vais pas l'enlever, mais derrière, vous voyez, c'est blanc, c'est opaque, on va dire. Il y a une pellicule également à retirer. Attendez, je vais regarder si j'ai. Est-ce que j'ai un petit outil ici? Je sais pas. Alors, depuis que j'ai tout rangé avec ma petite fille, qui dit ranger, dit on ne trouve plus rien. Bon, c'est pas grave. Mais si avec les doigts, oui, bah avec l'ongle, ça va, ça passe. Hop, voilà. Hop, voyez, vous avez une pellicule derrière aussi pour que ce soit un peu plus transparent. De l'autre côté, voilà, ici. Et là, ça colle pas, hein, il n'y a pas de problème. Donc, avec, vous avez un petit DIY, comme d'habitude, hein, et il y a aussi le pied pour... je ne vais pas l'installer, mais après, vous l'installez comme ça pour que ça tienne droit. Idem, il y a une pellicule des deux côtés. Donc, n'oubliez pas de la retirer pour que le pied de votre DIY soit bien transparent. Voilà, donc il y a une pellicule de papier à retirer de chaque côté. Alors, désolé, hein, il y a peut-être un peu moins de lumière. Mais mes flashs, tout ça, sont en bas. Donc, mais bon, ça fait bizarre, c'est rangé. Waouh. Alors, on a des strass. Alors, on va avoir des gros yeux de chat, comme ça, rouge. Des tout petits yeux de chat,
rouge. Là, des demi-perles, des grosses demi-perles. Et on a des strass. Donc, du marron, des verts. Vert, mais un peu plus foncé. Là, c'est des bleus turquoise. Des jaunes clairs. Là, c'est des marrons très clairs. Les autres, là, c'est des orangés, voilà. Je vois plus clair, moi. Et là, on a des rouges. Voilà. Donc, ce petit DIY est au prix de 14,07 $. Je vous remettrai le prix en euros sous la vidéo, comme d'habitude. Vous avez également un petit code promo avec la boutique New Craft Day. C'est le code DIDIT10. Voilà. Ça vous donne moins 10% sur votre commande. Je reviens. Alors, changement de décor hein, de la vidéo, mais c'est pas très grave. Il y a en ce moment le Black Friday, donc également sur la boutique New Craft Day. Désolée, je vais avoir les yeux baissés, mais je vais lire ce que je dois vous dire. Il y a un petit concours Black Friday sur le site. Donc, c'est une carte cadeau de 10 $ que l'on peut gagner. Donc, il n'y aura pas de minimum de dépenses, hein. Si vous achetez pour 10 $, ben voilà, vous ne paierez rien. En quantité, il y aura 3 cartes cadeaux, une par gagnant. Donc, 3 gagnants, 3 utilisateurs. La validité de la carte cadeau, aucune expiration. Donc, vous pourrez vous en servir tout de suite ou dans 6 mois, elle sera toujours bonne. Alors, pour vous participer à ce concours du Black Friday sur la boutique New Craft Day, moi, je vais vous mettre un lien en barre d'infos sur lequel il faudra cliquer pour aller vous inscrire pour participer à ce concours, donc pour gagner les cartes cadeaux. Ensuite, pour utiliser la carte cadeau, les gagnants peuvent utiliser la carte cadeau en saisissant le code de la carte dans la zone code de réduction lors du paiement. Voilà. Il est recommandé que le tirage au sort soit organisé. Donc ça, ouais, non, ça c'est pour moi. voilà, donc c'est bon. Donc oui, il faudra, donc alors, je vais cliquer sur le lien pour voir si j'ai autre chose à vous dire. Non, juste là. Donc, vous allez tomber sur une page où on vous demande votre prénom, votre nom, votre email. Donc, il faut vous inscrire sur le site. Donc, parce que vous allez mettre en même temps un mot de passe. Et c'est tout. Voilà. Je pense avoir tout dit, avoir bien dit. Je vérifie, hein, mais c'est vrai que quand il y a des gros messages comme ça, on a toujours peur d'oublier quelque chose. Non, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site, donc avec le lien que je vous ai fourni en barre d'infos pour pouvoir participer à ce tirage au sort pour gagner une carte cadeau de 10 $. Voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Moi, je vais remercier beaucoup la boutique New Craft Day et je vous remercie tous également de votre fidélité de regarder les vidéos. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, à laisser des pouces surtout. Voilà, les pouces permettent de faire connaître la chaîne au niveau du moteur de recherche de YouTube. Hein, ça permet de remonter. Et moi, en attendant, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.